Bien. Alors, qui est le premier à passer? Edgecan. Est-ce que Monsieur Edgecan est ici? Oui, il est là. Tu peux le TP, Naya? Viens jusqu'à nous, jusqu'au à cuvette là. Tu rentres dans le chat. Il a pris une hache. Ah, c'est sympa. Il faut TP au russe. Attends, remets-toi, attends, remonte ton bras. Il y a un truc marqué sur ton bras. Mon bras. S'il a été fait maison. Il y a un truc marqué sur son bras, j'arrive pas à lire c'est quoi. C'est écrit Oi. Yo les gens. Ah oui, yo les gens. Ok. Moi je l'aime bien. Pas mal. Comment voir de l'autre côté. Attends, tourne-toi un peu le bras gauche, je veux voir. Ouais. C'est dommage que ça marque à l'envers. Il a pas pris Lucille, il a préféré prendre la hache. Il faut que je te mette bien dans le dans l'eau au milieu. Tu vas y arriver. Alors, ouais. Est-ce que tu vas te garder ou... Ah non, c'est pas ton tour, Azogus. Moi je vote pour. Moi aussi, ouais. Hein, je vote pour. Il est où, Jacques Daniel? Bah, tu peux passer par la porte en fer à ta droite. Derrière toi. Devant Blue Fox. Viens jusqu'à nous, mon enfant. C'est quoi le rapport avec Halloween? J'avoue. Il manque du sang, hein. Bah moi j'ai trop de bonbons bleus. Darni, hein. Moi je t'ai fait le mouvement de la tête. Alors, c'est cap. On peut pas appuyer nous. Moi je buzz. Ah moi aussi. Ah, moi je buzz. Buzz. Vas-y buzz aussi. Ah, qui veut Wade. C'est pas la connexion de Wade. Au revoir. Voilà. Ensuite, l'Asia. Une fille. Ah, voilà, on enterre moi. Ouais. Elle est mignonne. Mignonne. Elle s'appelait l'Asia. Oui. Elle a une bouche au milieu du ventre. Ah, ouais, c'est ça, je crois. Oh, d'accord. Les entrailles. Tu peux te tourner s'il te plaît? Et rentrer dans la cuvette aussi. Ouh. On a beaucoup de choses là, de tourner pour rentrer dans la cuvette. Moi c'est oui perso. Ouais moi aussi. Ouais moi aussi, oui. Ouais. Ah, là c'est les premiers tours donc on reste genre light. Ouais. Ça ressemble un peu à ce qui est d'Halloween et après vous êtes accepté. Coup, vas-y, tu passes dans la porte. Tu peux sortir de la cuvette. Je crois elle est bien dedans. À gauche. Tiwul, t'es petit Wool, il est là, Tiwul. Venez, monsieur. Fais sa petite pub. Ah non, non. Moi j'ai une remarque. Moi j'aime bien. J'aime bien, mais j'ai une remarque. Le bras gauche, on dirait qu'il aurait dû être de l'autre sens. Regarde, on voit la peau de la citrouille à l'opposé de sa tête. Attends, je sais pas si c'est lui ou. Le bras son bras gauche, hein, je parle. Hein. Ah, la gauche pour lui ou la gauche pour nous du coup. Bah, la sienne, son bras gauche, c'est forcément sa gauche à lui. Ah oui, effectivement. Tu vois. Bon, c'est dommage, mais il est bien, mais. C'est dommage. Mais moi j'accepte pas. Ouais. Voilà. Ouais. J'aime bien. Il est beau. En plus, il ah là là, intransigeant ce jeu. Tu peux passer par la porte en fer. Ensuite, Lolo 1, 2, 3, 4. Oh bah dis donc. Ah ah. Pas mal. C'est genre la petite fille dans The Walking Dead en fait, saison 1. T'es en pyjama?
Oui, et je suis sûr que c'est ça en vrai. Je ne regarde pas Walking Dead. Ah dommage. Et la première actrice zombie. Moi je mets mignon. Pour. Ouais pareil, pour. Oui bien. Maître à vie tout le monde, tout. Bah. Ouais. Ah ouais d'accord, je vois parce que c'est le bras en fait. Tu peux y aller. C'est pas par là. Alors, qu'est-ce que je peux. Ensuite, Shiruba. Ah, d'accord. Très Halloween comme skin. Ouais, avec une canne à pêche. Il veut nous pécho. Je t'en prie, va dans la cuvette. Non, dans la cuvette, pas dehors. Il y a déjà gagné, quoi. T'es moche, je buzz. Ouais, moi aussi je buzz. J'aime bien le t'es moche, je buzz. Tu peux me buzzer vers Animal, s'il te plaît. Au revoir. Cool. Oh, Fred. Ah oui. Bonjour, Fred. Oh, sympa la cape. C'est Fred en amélioré, hein. Tu t'es échappé de ta prison, de ta forêt, puis de. Attends, on fait voir ta cape. Ouais, elle nous insulte ouais, pas. J'aime dessus. Bien. Par contre, t'as oublié de t'essuyer le visage, t'as une petite tache encore. Bah, moi je me mets fort. Moi, pour aussi. Ouais, pareil. What the fuck. Bonsoir. Pas très Halloween tout ça. Ouais. J'ai vu une phrase dans le chat. On va rien dire. Ouais. Ah, Wade nous quitte. Il a décédé à cause de sa connexion. Je prends le remplaçant immédiat. Oh rouge. Merde. Qu'il est démuté. Oui, il est muté. Ah, oui. Bon. C'est quoi cette potion? Par contre, on avait mais non, parlé c'est pas un pour accord eux, mais de bête. C'est pour les spectateurs. Il est bon dans la cuvette, monsieur Blescucé. Vous le voyez pas du coup? Moi je buzz. Voilà. Oh, bah, moi je vais mettre contre. Animal, tu peux me buzzer? Merci. Ouais. Et Jules Fox et Merle, vous votez quoi? Ah, oh, on buzz de ouf. Hein. Je buzz. Hein. Buzz de ouf. Merde. Au revoir. Bon retour au Québec. Ah mon dieu, j'arrive pas à me connecter, c'est quoi ce délire? On sait pas s'il est dedans en fait. Ah c'est bon. Suivant V6 NAS. Il est pas connecté. Et EDF Nightmare. Ouf. Un peu chelou ton skin. Eric a fait de la pâte à modeler. Et genre il a tout collé sur sa tête. Dernière inscrite, dernière. Tellement vrai. Tourne le toast, s'il te plaît. Par contre, il y a deux gars qui sont en entretien post-candidature depuis Perpète. Mais les mecs, personne vient les prendre. Ah bah, pauvres. Pour un chef modo, hein. Tu verras ça avec ton chef modo. T'as de la redstone ou sur le dos ou c'est une tache de sang? Du sang. Allez, le bon, vas-y, va dans la cuvette. Moi je buzz. Moi je buzz parce qu'il n'y a pas de 3D parce que en fait. EDF prend trop de taxes aux Français, vas-y, voilà, moi. Merci. Non, moi buzz pas. Ouf. Okay. Mais je t'ai dit buzz pas. Merde. Oh. Oh non, le pauvre.
Je voulais de maintenir en vie, moi, il y a un truc que je dégage. Bon. Bah, du coup, tu buzzes ou pas? T'es recalé, hein? Trop tard. Bah, ouais, du coup, je vais buzzer. Non, mais il ira mieux de toute façon, il fallait pas être là. Hein. Poppy ouais, Games. Mais moi, c'est le premier tour, tu vois. Poppy Games, c'est ce que la Poppy Games, c'est là. On oui, est jusque demain matin, hein? Elle donne de l'espoir, moi. Elle a tiré du 8 devant elle, là, devant son pseudo. Ah bah c'est elle qui c'est demande, comme ça. C'est celle qui a demandé un modo d'ailleurs. Sur Tess ou pas au moins? Le téléporteur, il est cassé le téléporteur. Non, c'est qui fallait TP? Poppy Games avec un tiré du 8 devant. Oh mon dieu, lag. Mais non, mais du coup, elle est invisible. Bah, ouais, vous avez invisible tout le monde. Mais on va leur donner du lait. Ouais, c'est vrai que j'ai du lait. Sachez là. Sachez là. On peut pas la sachez. C'est qui le joueur? Poppy Games. Okay. Poppy ouais. Games. Tu ressembles à Poppy étrangement. Ouais, d'accord, avec un underscore avant. Ça, c'est le caméraman. Évite de l'agresser, s'il te plaît. Ouais, le lait. J'aime pas les journalistes. Alors, attends. J'ai une question pour dedans, toi. Toujours. Attends. Es-tu fan de Poppy Games? C'est la question. Mais elle est là ou pas? Il ou elle d'ailleurs, je sais pas. Normalement c'est une femme. Ah ouais d'accord, ça jette le saut comme ça. Non, elle est pas sur TS. Je récupère le saut. Hein. Va dans la cuvette à maintenant. Elle est sur TS ou pas? Appuie. Moi je buzz. Attends. Attends, elle est pas dans la cuvette là. Elle ouais. Est pas dans le truc, voilà, c'est bon. Vas-y, what moi je buzz. Est-ce que vous buzzez tous les deux là? Ouais, moi je manque, ouais, je buzz pour le ouais, manque d'originalité. Au revoir. Partage de. Ouais, nickel. De ouf. Oh mon dieu, comme mon buzz l'éclair. Je lag voilà. Trop. Je peux y aller, moi. Ouais, vas-y. Suivant, Aulorsen. Il est pas là. Comment? Il est là. Pas là. Yeah. Ultima Brains. Ouf. Ah, ça, c'est un skin que j'ai déjà vu sur internet. Ouais, moi aussi. Hein. Moi aussi. C'est un truc chelou entre les jambes, j'arrive pas à voir ce que c'est, mais. C'est suspect. Là. C'est chier dessus en plus. Ouais. Il y a une protection, une barrière invisible qui permet pas de passer. TP toi, joueur. Joueur. Avance dans la cuvette. Est-ce qu'il est ici déjà? Sur du jugement dernier. Je build. Moi je buzz. Moi j'hésite. Parce que genre j'ai déjà vu sur internet, mais bon. Il a fait l'effort de chercher, tu vois. En même temps, tous ceux qui se sont inscrits, normalement, on fait l'effort de chercher. Fait l'effort d'avoir utilisé Google. Bon, on l'accepte et on verra. Moi, de toute façon, je peux. Ouais, moi je bosse pas et on verra au prochain tour. Bon, on verra. Mais il a fait l'effort de chercher, comme dit Nathan. Tu es qualifié. On lui donne un tour gratuit. Moi, je pense pas que tu as gagné. Hein. Suite. Tony Parker 2003. T'as quoi sur la tête? C'est un. Comment on appelle ça? Une kippa? Il est gros, hein? Non, il a fait l'effort d'investir dans un chapeau. Tony Parker 2003? Sur Tess? Il a dit que c'était un chapeau. Un cerveau, pardon. Mais cerveau. Par contre, si c'est ton cerveau, il est sorti d'où? Moi je dis non. C'est ta casquette, elle est intacte. Hein. Attends, pour... ah, moi qu'il est sorti par son œil, mais. Attends, regarde, il a plus d'œil, les gars. Montre en plus, il vole. Quoi. Tu vois, les hamburgers, ils volent. Ouais, genre, ils volent là. Tourne-toi, c'est Tony. Marqué quoi? Ah, Tony Parker. Dos. Moi je vote contre parce que t'as fait un placement de produit pour Nike. Chaussures. Ah bon? Ouais. Ah oui. Et il y a quand même de l'effort. Dans la cuvette, Tony. De quoi la casquette?
Ah non, les chaussures. Ça bien fait l'œil. Et l'idée du cerveau, c'est bien, hein, mais bon. Ouais. Bah, et le crevé, qui crevait. En fait, je buzz pas. Original. Non, mais en fait, y'a pas de cohérence. Du coup, moi, je dégage ça. Hein. Et bon, le pseudo derrière, un peu. JK. Va dans la cuvette. Lors du jugement dernier, ouais, merci. Qui buzz? Moi. Moi. Putain, j'ai rien compris au règlement. Hey, qu'est-ce qui a buzzé? À la prochaine. C'est quoi? T'as dit que tu buzzais. Ouais, c'est vrai. Ensuite, Minecrafter Bis. Wow. Ouf. Il est pas mal celui-là, je kiffe bien, moi. Les petits lasers rouges, là. Les petits yeux. Oh, il est stylé. Ouais. Oh. T'as l'impression que tu vois, il y a vraiment la profondeur dans ses yeux, et genre... Ah là, t'es hypnotisé, hein, ouais. C'est le caméraman. Ah, Minecraft. Ouais. Bah, c'est forcément lui qui l'a fait. Très mignon. Je vote pour deux games, tu peux partir, s'il te plaît. C'est moche, toi. Je tape l'incruste et tout. Tu peux nous montrer le dos? Bon, je veux juste voir le dos. Oh, ah, y'a des yeux dans le dos aussi? Ouais. Ça sent le travail acharné. En fait, genre, c'est pas un double skin qu'il a fait, genre. Peu importe le côté que tu regardes, j'ai l'impression que c'est sa face. Non, en fait, c'est son skin de base modifié. Il a une tête de citron. Mmh. Ah oui, oui, c'est normal, d'habitude il est orange. Non, moi je mets pour. Moi je vote pour. Ouais. Moi aussi. Carrément même. Ouais. J'aime bien. T'inviton à passer par la porte. À gauche, voilà. Ensuite, Vanilla Cat. Ouais, Paco. Chinchidou 2002. On a des... On a combien? Azogus. Plus de 45, mais il y en a plein absent. Donc Azogus, le suivant. Azogus, il est avec quelqu'un pour faire une chorégraphie. Il a pour un... Ah, un blanc. Oh, le clown, j'aime beaucoup. Le laisse s'appelle. Il faut que t'aies pas avec Luvas. Du coup, attends, on vote pour Azogus, les deux t'es... ou on vote pour le personnage? Oui, on vote pour les deux. C'est-à-dire que s'il y en a un qui est moche sur les deux, bah les deux virent, voilà. Vous êtes un vide, donc attendez. Ah, je vais donner du lait. À vos deux, je dois donner. Oui, ouais. Ils sont tous les deux en avis. C'est risqué, ça, quand même. Hein. Ah. Un truc de pari, en fait. Alors, redonnez-lui une potion d'avis, s'il vous plaît. Clutch. Ouais. On vous regarde. Faites ma paire. Merde. Vous allez où là? Revenez. Ah, par contre, les caps, les gars. La les vaste, la cape. Pas plus vite à lancer en fait. Alors, la cape, c'est dommage. Ouais. Et c'est les deux mêmes skins. Non, regarde, y a, la tache de sang est différente, ouais. Regarde. Luvas, il est un peu plus blanc qu'Azogus. Il est plus clair que l'autre. Ah non, regarde la basquette gauche d'Azogus. Il manque un peu. Tu peux désactiver ta cape, Luvas. Non, t'es en personnalisation de skin. Option personnalisation de skin, cap off. Moi, je suis mitigé. C'est original qui passe à deux, mais bon, leur skin n'est pas très original. Ouais. Bon, moi, juste pour l'effort d'avoir fait la choré et tout, ouais. Je vais mettre pour. Pour aussi. Bon, par contre, pas regarder la cape. Hein. C'est bon, il l'a enlevé, je lui ai dit comment l'enlever. Vous êtes accepté. Animal veut faire crash les joueurs. Ah, moi, je suis arrivé, j'ai crash suivant direct. Pitch, pitch. Invisible aussi, je crois. Je vais lui donner. Saut de lait.
peu trop gentil, je trouve ça quand même. Ouais. Pour Halloween. Entre dans la cuvette. La cuvette. Il y a des monstres méchants, enfin gentils plutôt. Ah oui. C'est pas pour Halloween. Moi je suis franchement je suis au milieu parce que en fait son skin je trouve il est mignon tu vois c'est pas un skin Halloween tu vois. Bah déjà elle a plus de d'œil hein. Ah bon. Attends. Oh, regarde. Ah, elle fait que sauter je vois rien. Non moi je vote contre. Moi aussi je suis contre. C'est très simple. En fait on voit que c'est elle qui l'a fait tu vois mais c'est assez simple. Je me souviens que la dépasser c'était bien galère hein, pour elle a mettre les gens dans la cuvette. Ouais, elle est pas sautée. C'est bon. EMS. Le squelette. Il est très beau. Ah, je pense savoir de qui tu me parles. Bah, c'était écrit son pseudo. Ah, attends, j'ai pas vu. Ah bah non en fait on parle pas de la même personne, ok. Ah là tu le vois bien, il est juste en face de moi. Approche de la cuvette. Attends je vais te prendre un screen Pierre. Moi je vote pour. Moi ouais, je vote pour aussi. Arnimol. Moi aussi pour. Jacques Daniel Merle. Des beaux bouts de cerveau en plus. Pire t'es pète à lire animal. T'es accepté. Passe par la porte. Tavares. Au lieu de leur donner un seau de lait, tu peux pas leur donner une potion de lait, même quand même. Non, on a pas ça. Y'a pas des trucs jetables de lait, non encore. Non, c'est pas du tout. Ah bon? C'est pas. Tu ressembles à rien. C'est moche. Ouais. En plus, t'es à poil, quoi. T'as un petit slip. Bon, c'est quoi le trait bleu en dessous là? Tu baves dans ton cou ou. Ouais, genre, c'est sûr. Oula, il y a quoi derrière toi? Y'a un petit cœur, non? Ah oui. Milk. Ah d'accord. Ah, en gros, il voulait mon seau de lait, hein. Il venait pour ça un peu. C'est non pour avance, moi. Avance dans la cuvette là. Voilà. Voilà. Ouais, il est pas dedans là. Il est pas dedans. Non. Ah. Tu es moche, je buzz. Le tu es laid. Vous buzzez vous les deux? Oui. Et tchuss. Moi j'ai même pas besoin de le dire, Arnim, il a buzzé pour moi. Kinosaurus. C'est mon skin préféré. Il est invisible. Modulé. Ouais. C'est quoi ce skin? Ciao. Genre une skin de la grand-mère dans Popeye. Oh. Je l'ai déjà vu ce skin. Mon saut a disparu là. Pardon. Il est marrant ce skin. Moi je vote pour direct. La mamie elle vient d'où normalement? Mais c'est dans le. Dans le truc avec les nains là. Blanche-Neige. Ouais. Non. Que genre le loup il mange la petite là et la grand-mère. Petit chaperon rouge. Voilà. Ah bon? Pas possible. Et du coup c'est la grand-mère qui se transforme en loup. Elle est boucle dorée en plus. J'ai émis une hypothèse. Et toi dans la cuvette? Moi je vote pour. Ouais, moi aussi je vote pour direct. Moi aussi je vote pour. Ouais. Tu as accepté. Montre-nous ta beauté. T'es moche. C'est beaucoup trop simple hein. Ouais. Ouais. Bah, j'en suis sûr que tu l'as trouvé sur internet. Je suis pas sûr qu'elle soit sur. Je dirais Nova Skin même.
Oh, placement de produit, hein. Buzz. Moi aussi je buzz. Morgane aussi. Ouais, moi aussi. À la prochaine. Celsot. Ah, j'ai vu internet. Invisible aussi. Je vais régler ça. Internet. Ouais. Ah oui, ça. Easy. Ou après, tu vois, on a fait passer Ultima Brin, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et Ultima Brin, s'il a pas fait une petite chorégraphie. Bah, du coup, tu fais une choré. Non. Moi, je me pourre. Lui, il est vraiment moche, lui. Bah, c'est le but d'Halloween aussi. Arnimol. Moi j'ai voté contre. Guy. Moi je me pour. Jack Daniel, Merle. Contre. Bah contre, ouais. Mais dans tous les cas, enfin voilà. Ouais. Guy, tu fais barrage. Tchou. Mais. Oh mais non, mais c'est tellement. Il a glissé. Honnêtement, il serait pas passé, enfin, c'est un gamin. Bah, ça... bah, en plus, il est revenu, tu vois. C'est le destin, il est retombé là, il est revenu. C'est moi qui l'ai TP. Hein. Ah. Tu veux refaire un tour de toilette ou. Passe par la porte, c'est pas grave. Je serai éliminé après. Au prochain tour. Nathan 66. Envie. Ouais. Hello. Ça s'est fait maison ce skin. Oh. C'est j'ai pas mangé trop de brocoli. Hein. C'est géant vert. C'est géant vert. Oui, c'est géant vert, j'allais le dire. Ah, trop beau. Du Pokémon dans le dos là, c'est quoi ça? La maillot. Avec cette cape. Ah, mais c'est Noctalie. Attends, faire. Il sert à quoi ce bouton? C'est pas le même, je crois. Il sert à quoi ce bouton là? C'est pour réactiver tout, touche pas. Ah, d'accord, ok. Brocoli, ça te réussit pas. C'est fort vert. Non, moi je trouve ça. Sang, mais super légère. Il faut que tu te mettes dans les filets. C'est des éraflures. Ouais. C'est des éraflures. Ouais. Enfin, après, il éraflures, va pas bien. Pas dans la cuvette. On dirait qu'il va pas peut-être bien, malade. Ah oui, c'est peut-être. La mauvaise couleur du zombie, quoi. Manquer plus. Moi je vote contre parce que j'aime pas ta cape et ton chapeau. Tu votes pour quoi, Dwarkan? Bah, moi je vois pas le rapport avec Halloween, donc contre. Jack Daniel, Merle. Compte. Ah, ça ressemble à CTLM, enfin du CTLM. On a fait crash le système. Sérieux? Ah mais putain, y'a un truc rouge là. Ah ouais, merde. En tout cas, c'est... Arnimol? Oui. On peut parler un petit peu plus haut, juste deux secondes, s'il te plaît. Ouais, si tu veux. Où, d'accord. Ça oh merde. Je te suis, hein. Ça te casse. C'est cassé un peu. Xem s'est fait chier à le faire, ce système. Oh. Merde. Non, non, c'est réglé, c'est bon. Bon, suivant. Tofela, Tofea. Il est un vie ou pas? Non. Ok. Alors lui, son. Ah, c'est d'accord. Pas le jeu vidéo nul là? Quel jeu vidéo? Five machin Nightmare. Ah. Ouais. On dirait Five Nights at Freddy's.
Ouh, là, c'est quoi ce dos? On va voir le dos. Retourne-toi, Tofia. Le dos. What? Ah, c'est une cape en fait. Ça, c'est la tâche de sang énorme. Oui. Ou une cape très mal faite, quoi. Les règles. Ah, c'est pas une cape? C'est pas une cape? Ça vole pas. Ah bah si, c'est une cape, regarde, il y a un pixel de différence avec le... Non, on dirait c'est au-dessus en fait, du... ouais. C'est juste sur la face supérieure. Bon. Moi je mets pour, mais le dos, pas trop ça. Ouais, c'est le dos qui gêne, l'instant. Mais je mets pour quand même. Bah tu peux y aller. Si vous, les Kinosaurus, rentrez dedans. Tofia, non mais Tofia, c'est bon, tu peux y aller. Tu peux y aller, Tofia. À part si tu veux être éliminé, mais... À gauche. À gauche. La porte en fer à gauche. Altaïr. Oh. Attends, il nous met des phrases. Bonjour, monsieur. Ton fils, oula. Pourquoi tu cherches-tu ton fils? Genre son fils est dans son dos, enfin si j'ai bien compris c'est ça quoi. Je crois qu'il fait une double vie. C'est son fils dans son dos? Non c'est ça, c'est en fait son fils il est dans son dos. C'est un peu glauque ton histoire quand même. Ouais. Ouais, franchement elle est bien. Hein. Ouais. J'adore la cape aussi. Et il me semble que l'an dernier il était venu avec un peu la même chose, mais c'était différent. Il me semble que c'était un gamin, un bébé. Un peu la même chose. Dans le dos. Oui, enfin, le même principe si tu veux, mais un autre skin. Moi je vote pour. Ouais, moi aussi. Bien l'originalité et tout. Et tout. Ouais. J'ai baigné le merle. Bon, là, ça le voit un peu, mais. Accepté. B2 l'IF, B2 machin. B2 Nef Silef. Ah, c'est le deuxième ou troisième tour? Premier. Premier. Ah, oh wow. T'as vu son dos? Regarde sa tête. Ah, il y a quatre faces en fait. Ah. Ah, c'est bon. Bah, non. Bof, ouais. Pas pour moi. En fait, on dirait juste qu'il a mis des images. Des images, ouais. De son skin. C'est moche. Il faut te mettre dans la cuve. C'est original mais mal fait. Par contre, pourquoi t'as 4 jambes? Pas d'Orkan. Attends, je vais juste voir ses jambes. Attends, tourne-toi. En fait, genre, t'as 6 jambes. Chelou. Moi, je sais pas, j'hésite. En fait, il y en a 8 hein, parce que. Maintenant, 2 devant, 2 derrière et 2 sur le côté. Ah oui, c'est vrai. Genre, y'a pas la face en haut et en bas. Bah, si vous votez tous contre. Moi, je vote contre. Un contre. Et là-bas, ça vote contre, ok. Je te fais bugger. Ah ouais. C'est point solide. Hein. Ça, ça doit être un truc Apple. Hein. Maxi Boss 79. Samsung, hein. Enfin si ça prend feu. Est-ce qu'il est invisible? Non. Ah. Approche-toi de qui est le joueur? Maxi Boss. Non, non, il est pas invisible. Il dit des conneries, quoi. J'aime bien sa cape. Faut retourner toi. Ouf. Ah. Moi je suis pas fan du mélange HD normal. C'est quand même le premier qui joue avec les deux couches. Ouais. Ouais. C'est bien ça. J'avoue que le mélange HD avec le normal, je suis pas trop fan non plus, mais c'est original. Et osé, on va dire. Moi je vote pour. Ouais, merci. Moi aussi.
avec Daniel, Merle. Contre. Enfin, moi, c'est contre après. Ouais, ouais, si. On verra au deuxième tour. Voilà. Proche de la fin. DD14. Il arrive pas à rentrer, hein. Ça va. Ouais, je vais mitiger un peu. Un truc qui me dérange, mais... Ouais, je vais mettre pour. Moi aussi. Par contre, j'aimerais bien savoir si c'est d'internet ou si c'est la personne qui l'a fait. Pas tes, on te jugera pas. Ouais, t'es contre. Ouais, moi aussi. En fait, on dirait un masque de sang. Tu vois, ouais. Une moitié de masque. Vote contre, Jus. Ouais, mais enfin, il passe quand même. On verra le deuxième tour, quoi. Ouais, je mets contre aussi. En fait, on dirait juste qu'il a mis une tarte sur la tête, c'est genre, mais. Ouais, c'est ce qu'il a dit en fait. À mon avis, il a dû prendre celle, la partie de droite. Il a dit qu'il avait pris un skin, il l'avait modifié. Il a dû prendre la partie de droite et il a rajouté le sang. Ou... Ouais. Je vote contre aussi. Moi, si vous votez contre, je vais voter contre. Hein. Qu'est-ce qu'ils font là Ils étaient restés en haut. Là, Nathan 66. Et. Ils éclatent. What? Qu'est-ce qu'il fout là? Attends, je reviens. Matt Poléon. Ouais. Il est pas mort lui. Il est pas mort. Bah là, il a plus une tête de mort quand même. C'est quoi la cape autour de toi? C'est sympa pour le Capitole de dire que c'est mort, quoi. Moi, c'est ce que je comprends. Enfin bon, après... Moi, j'interprète, pardon... Le skin. Ah. Retourne-toi. Ouais, je suis déçu. En fait, c'est juste un PKE. Bah, dans la cuvette. Non, ça va voilà, bah, du coup, j'ai Flux, il vote contre. Hein. Moi, je suis contre PKE. Ah, tout de suite. Dorkan. Ah oui, Dorkan, il est parti, il revient. Du coup, je vote à sa place. RT. Je connais bien les égouts PKE. Je dois lui demander. Ensuite, Super Samy. Enfin, la 3D, les couches, quoi. Ouais. Il vient pas de faire une attaque Freddy's aussi, celui-là. C'est vrai qu'il se démembre, là. Ouvre la bouche. Est-ce que ça joue avec les dents ou pas, on dirait. Ah, c'est trop stylé. J'aime bien celui-là. Après qu'il se tourne. Question, est-ce qu'il peut enlever le chapeau? Voir enfin s'il est intégré ou si ça, enfin, si ça va avec ou non. C'est un chapeau en plus je crois. Wow. Mais toi dans la cuvette Super Sam. C'est pas un peu screamer. Non, quand le chapeau va avec. Hein. J'aime bien.
Moi c'est la lanterne rouge de Jack l'Éventreur du coup. Je valide. Arcane aussi valide. Ouais, j'aime bien. Ah oui, c'est vrai, tu roules. Ensuite, Super Samy. Il vient de passer. Super Samy. Oui, c'est... Bah, c'est celui-là qu'on vient de faire, non? Tavernier. Oh, Mike qui s'appelle Tavernier. Tavernier. Ah, Tavernier. C'est comment il s'appelle ce manga? J'ai oublié le manga. Ah, Tokyo Ghoul, voilà. Classique, hein, je trouve. Ouais, moi aussi. Contre. Ouais, non, mais contre. Passe dans la cuvette. Ils ont même pas entendu qu'ils sont dans la cuvette, les gars. Non, bah, juste le sang en fait. C'est vraiment. Ça fait tarte. Tarte à la myrtille posée là. Ouais. Ouais. Ensuite, bien, t'as rien Rodrigo à 29. J'ai raté quelque chose. Rodrigo. Ouais. Ouais, il y a pas de Rodrigo. Ah. Mais il est même pas là. Ni A. Oh, oh. T'es là tout à l'heure, hein. Je sens que j'ai raté Napoléon, quoi. Ouais, t'as raté Napoléon. Ouais, oh, bah t'as, merde. T'as raté PKE, en fait. C'était un PKE. Ouais, 29, il est pas là. En fait. Bon, du coup, on a fini le tour des participants. Ouf. La manche, la première manche est terminée. Comment ça se passe après? Ils repassent tous d'un coup ou... On fait comme les joueurs qui veulent PVP, on prend une canne à pêche et puis on tire le premier qui vient. On les invite tous au milieu, mais je suis pas sûr de place. Venez tous au milieu. Il y a trop de gens là. Je pars faire un tour. Ouais, voilà, refaire un tour peut-être. Bah, ils sont combien? Faudrait les compter. Ils sont tous un peu près où? Bah, au pire, faites un nouveau tour. Vous bah déjà pour moi il faudrait, je suis désolé, il y en a deux qui sont virés là. Ils ont une apparence, les deux apparences internet. On voit que deux toi? Oui, trois deux. Peut-être, qui nous aurait, j'ai un doute, parce que la grand-mère j'ai déjà vu, hein. Et à mon avis c'est déjà passé dans un des events Halloween, ça me dit vraiment quelque chose. Oui oui, sauf je l'ai déjà vu aussi. Lui, hein. Et je pense que ça vient d'internet. Oui, je pense aussi. Je vais dire déjà qu'on invite Celsot au milieu, sur la cuvette. Ouais, Celsot déjà. Adieu. On peut pas tous... Ah non, on peut plus. Au revoir. C'est sympa. Après, je pense que Luva, c'est les clowns, là. Moi, je pense que c'est pris internet aussi. Oui, bah, c'est sûr. Que ce soit pris ou non d'internet... C'est... Le fait de passer à deux, c'était une bonne idée, mais d'avoir le même skin, c'est pas intéressant. Ouais. Même s'il y avait une Corée et tout, je pense que c'était peut-être plus c'est intéressant. Faire le clown et le tueur de clown, en fait. Ils sont où, lui, va, c'est le truc. Il est Azogus. Azogus, il est au milieu. Sinon c'est les bannes pour perturbation d'event. Azogus et Luvas, les deux clowns. La cruauté. Un par un. Apparemment ils ont une deuxième choré. Ah, vous avez une deuxième choré? Moi j'aimerais bien l'avoir quand même. Ouais, mais c'était avec Peach qui devait faire la victime, je crois. Est-ce qu'on la regarde quand même ou pas? On fera ça en bonus. On fera ça en bonus quand il y aura dans le monde. Luva, c'est plutôt bien dans la cuvette. Adjé. Prêt à sauter. Il y a Ulti Mabrine aussi. Moi, c'est Unity, je suis en train de grind. Pire, c'est qu'ils connaissent leur sort, tu vois. Ton tour, Azogus. C'est genre. Le retour vers la mort. Oh là là. Bon, c'est pas là, c'est là. On a 15 dedans et. Une question, est-ce que Tofea et Super Samy sont amis?
On dirait, hein. À mon avis, ils ont dû se faire un délire ensemble, non? Et tu vois, par exemple, si les deux-là étaient passés en couple, on va dire, ça aurait été peut-être plus intéressant que le couple Azogus-Luvas. Le couple. Ensuite, moi je dis Tima Brines au milieu. Adieu. Ah, j'avais oublié Tima Brines. Ensuite. Ensuite, moi je dis Maxi Boss. Ouais, moi aussi. Je pensais à Kinosaurus. Ouais. Kinosaurus. Ouais. On est ok. Mon bon vol. Après moi je dis Ekkan, perso. Non, pas Ekkan, il est beau. Bon, ouais, mais bien tout faire, moi je dis avant. Ouais. Tima Brine. Parcol. Il est déjà passé. Il y a un mec qui a un avis là à côté de Tioul. Avec un os dans la main. Moi je dis te faire au milieu. Tout le monde est ok. Bah. Adieu. Moi je trouve qu'il y en a des plus moches que Tofea, mais. Oui, j'ai pas vu lui. Bon, on verra après ça. Non, revois au milieu toi. Moche, donc tu es au milieu. Au milieu. C'est qui l'invisible à côté de Tofea là? C'est le caméraman. Ah. Oui, 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 au milieu. Ensuite, je dis l'Asie à moi. Ouais, moi aussi. Il reste plus que ça, ils sont où les autres là? Tiboul qui fait le kéké. Il a rajouté le encore. Mais là, Tiboul, si on vote pour toi. Pour les sortir, autres, hein. Ils sont tous à peu près. Pourquoi il est revenu lui là? Tofea, ça spawn. Attends, du coup, là, il reste qui en fait? Parce que là, ils sont tous éparpillés. Mettez-vous vers le centre pour qu'on puisse voir. Tofea fait sage spawn. Bon, au pire, hop. Il reste Altaïr, Tioul, Thibaut, Lolo, Ekkan, Persami. On en vire encore un ou alors on fait troisième manche? Il reste pas Minecraft Arbis, vous l'avez jarté? Non, on l'a pas jarté, il est quelque part. Mais il est où? Il s'est caché. Il a déco. Oh merde. Caché. Putain, merde. Bon. Moi je dis après Ekkan là. Ekkan ou EMS? Puis attends, parce que la troisième manche en fait, c'est ils racontent une histoire sur leur skin. Qui? Kiki, bah tous les finalistes là. Bah là ils sont déjà. Ils sont combien ils là? Ils sont plus que 5, 6, 7, 8. J'ai pas vu Super Samy, mais t'es au milieu toi. On les qualifie tous les 8 là ou pas? Ouais. Donc tu veux redescendre à 5 et la 5 et la 3ème manche. Il a point 5. Ouais, moi j'en aurais encore viré deux. Hein. Qui? Bah moi perso, ouais. J'aurais viré Ekkan et EMS. Ouais, la même. Elle est dans la poubelle. Je suis vraiment désolé Ekkan, mais
Je m'acharne pas sur toi, mais vraiment j'ai un problème avec ton skin. Au milieu. C'est pas personnel là. Non, c'est pas personnel. C'est pas de la corruption. Un Napoléon. Oui, toi au milieu. Désolé. Oula, la musique elle a changé là. Musique d'Halloween en mode électro, monsieur Fox. Ah, d'accord. Donc c'est qui la l'autre? La musique électroïne. OMS, OMS. Te cache pas derrière Thibaut. Musique électroïne. Non, viens là. La porte, la finale, ça va être compliqué. Hein. Putain. Bah, c'est les histoires, hein, s'ils font des bonnes histoires ou pas. EMS, viens là. Ok, Guff. Vous avez une minute pour trouver une histoire. Et vous passerez un par un. Une minute? Ouais, une minute. Est-ce qu'ils sont tous sur TS? Ouais, ils sont tous sur TS. À la limite, on les démute et ceux qui ont un micro, ils disent alors. Oui, ça va être pas bête, ça. Ah, parce qu'il y en a, ils ont pas de micro. Hein. On donne combien de temps pour réfléchir à... Bah, tu roules. 5 minutes. 5 minutes. Hop. Pause pipi, allez. Micro, c'est pas grave. 5 minutes. Ouais, 5 minutes, ça va. Allez, 2 minutes, 3 minutes. J'ai l'impression de passer un oral. On débute en 1934, aux États-Unis, alors qu'Eliot Van Holtz et sa famille écoulent des jours heureux dans leur petite maison. Le jour d'Halloween, une étrange ombre apparut dans la chambre du monsieur. À ce moment-là, l'ombre... Alors, il se précipita le long de ces murs épais et froids qui étaient ceux de sa maison et découvrit un crochet pendant. Alors, il se précipita pour voir. Son fils était étendu au sol. Alors qu'il essayait de le réanimer, l'ombre réapparut en lui disant « Hey ! Je peux faire quelque chose pour t'aider. Je peux te ramener ton fils. » Alors, le vieux berger accepta de revoir son fils. Elle lui dit « Tu dois faire corps avec lui. » Alors, il accepta. À ce moment, l'ombre sortit une épaisse corde et une petite épingle et commença à tricoter la peau du jeune garçon au corps de son père. Le père, alors tétanisé, ne pouvait rien faire, regardant, balançant les bouts de corps de son fils. Alors, tous les jours, il hante les murs de cette maison en criaillant « Je te vois !» Et il hante ces murs encore jusqu'aux prochains habitants, et encore, et on dit qu'il se traverse les murs avec sa hache et que l'on entend les gouttes du sang de son fils goûter dans les épaisses murailles de sa maison. Avec ses kiffés. Oh putain, m'a fait kiffer. Je vais pleurer là. Voilà. Bon, je pense qu'on est tous d'accord. Merci, ouais. Je pense que. Avec les plusieurs voix et tout, franchement. Tu peux rester sur le côté. On peut rester sur le côté. T'as le droit de rester. Lors d'une nuit orageuse, un vieil homme s'en allait dormir vers 1h du matin. Après avoir écouté le bulletin de nouvelles à la radio, lorsqu'une petite fille étrange cognait à la porte de sa demeure. Elle était habillée d'une robe de nuit en voile blanc, avec de courts cheveux bruns, très pâles. Le teint pâle et... Oui, d'accord. Elle avait le teint pâle et les yeux rouges. Aussi, elle traînait un violent coup de vent derrière elle. L'homme lui demanda pourquoi est-ce qu'elle traînait dehors à cette heure. Elle ne lui répondit pas. Bizarre, se dit-il. La nuit suivante, il ne fut pas surpris que la fille revienne. Mais celle-ci était changée. Sa peau était devenue verte. Au fond de sa maison, il entendit la radio. Le message était celui-ci. Attention à tous, nous vous informons qu'une petite fille étrange se promène dans les parages. Elle est habillée tout en blanc et a de courts cheveux bruns. Aussi, si vous l'apercevez, ne lui parlez surtout pas et ne l'invitez pas chez vous. Je répète, prenez garde à la fille. C'est une meurtrière en série.
une revenante. Cette fienne n'a pas de cœur, elle est cruelle et sans pitié. Attention à elle. L'homme resta interdit. Ah. L'homme resta interdit. La petite fille lui en profita pour foncer dessus. Elle assomma avec son os qu'elle tenait dans la main. On n'entendit plus jamais parler du vieil homme, ni de la petite fille. Bon voilà. Fini. D'accord. Disparition au plein milieu. Moi franchement je dis comme Gigi à tout ce qui se passe parce que franchement faut avoir de l'invention rapidement et. Mais c'est pas mal ouais. Ouais. Tu gères. Alors. Jadis, lorsqu'il n'était encore qu'un simple bûcheron. Jack passait des journées entières à terrasser d'immenses arbres à sa forêt. Il connaissait comme sa poche. Un jour, lorsqu'il coupa un arbre. Une forme sombre en sortit. Tu as essayé de décimer cet arbre, alors la mort te poursuivra à jamais, afin de te rendre le même sort. Pour échapper à cette malédiction, il se cacha dans une petite cabane sombre qu'il trouva dans un coin sombre de la forêt. Aujourd'hui encore, il s'y cache, et ne sort que la nuit afin de ne pas être trouvé par la mort, et tente de lui prendre le plus d'âme possible, en trouvant et tuant les hommes perdus avant elle. Alors c'est fini. D'accord. Et franchement, je sais pas comment on va être départagé les gagnants et putain. Faire son rôle. Dernier recours. Ouais. Du coup, il reste l'histoire de qui là? Minecraft Arby. T'écoutes. Ok. Je suis pas très doué en même temps. Alors. Autrefois, dans les contrées du semi-RP, existait un gentil joueur nommé Terbis. C'est son surnom. Au cours du temps, il finit par être plutôt bien apprécié par les autres de par son parcours sans faute. On le reconnaissait très facilement par son apparence particulière. Elle, on peut le voir ici. Il n'a pas changé de masque. Alors, puis, le jour du déluge approchant, tout le monde était préparé à une nouvelle ère, pas lui. Étant trop accroché à ce qu'il avait construit, ce qu'il avait mis du temps à faire, il décida de partir avec son air. Suite à la fin de cette ère, on ne le revit jamais plus. Plus une trace de ce joueur qui fut pourtant si agréable. Depuis, les légendes racontent qu'il continue d'errer dans les ruines d'une époque passée, ayant perdu toute once d'humanité, se montrant toutes les nuits. On raconte encore cette histoire aux petits joueurs pour leur faire peur, en finissant par dire qu'à partir de minuit passé, il est possible de voir des petits yeux rouges scintiller dans l'obscurité des ruelles sombres de la capitale. Bouh. Je déconne. Voilà. Oh, putain, ça va être chaud. Mais putain, en fait, chiat, de se faire des trucs bien. Donc, ça, faut prendre être... aussi un peu leur skin en compte, donc... Bah ouais. Ah, clairement... Venez tous au milieu, là. Venez tous au milieu. Le mieux, c'est de faire faire un sample, comme ça on verra. Quoi? C'est pas l'un des. C'est pas l'un le seul ou l'un des seuls, j'ai pas regardé les. J'ai juste écouté, j'ai pas lu les histoires écrites, mais c'est pas celui qui a mis en lien le serveur avec son histoire. Yeah. Ah Thibaut aussi un peu ouais. Ouais. J'ai pas regardé ceux qui écrivaient, désolé. Pour il a parlé. Mais moi j'ai pas écouté alors. J'étais ailleurs. Ouais, mais moi j'ai bien, j'ai bien aimé celle de Minecraft Orbis, celle de Gravity en fait. Il faisait le rôle d'acteur aussi, ça c'était cool. Voilà, c'est si vous voulez mon avis, le v'là. Mais on peut pas rentrer. Alors il va y avoir... Son 5, oui, il va y avoir 3 gagnants. On va choisir le premier, et le public choisira les deux suivants. Ah là tu peux pas disqualifier les deux déjà ils seront pas dans le podium. Non, bah ce sera les spectateurs qui feront ça comme ça on est tranquille. Moi j'hésite. Oh franchement Minecraft Orbis hein, clairement. Ouais, son skin est tellement beau. Orbis, ouais. Genre les yeux mais rien que ça. Pas l'impression que c'est un skin en fait. Guy. Ouais, moi Minecraft Orbis aussi.
Merle, Jack Daniel. Ouais, Minecraft Orbis. Minecraft Orbis, tu es grand gagnant de ce concours. Bravo toi. J'ai. Ah, t'aimes bien faire gagner les gens, c'est pas correct. Super, merci. Je m'occuperai de ta récompense après. Ensuite, il nous reste 4 personnes. Je vais vous envoyer le Stropol. Après, moi, si je devais faire mon classement en deuxième, je mettrais soit Lolo ou Altaïr. Et en troisième, je mettrais Tioul. Le plus gros problème, c'était partager Lolo et Altaïr en fait. Pour Lolo et Altaïr. Non, parce que moi j'aime bien Altaïr ce côté, genre d'avoir deux skins en un, tu vois. Donc, une minute pour voter. Ah, pour moi, égalité. Ah, terminé. C'est terminé. Mais égalité. Égalité. Entre Lolo et Altaïr. Entre Lolo et Altaïr. Du coup, on fait un vote entre Lolo et Altaïr. Non, on départage nous. Par rapport au skin, par exemple. Putain, c'est les deux seuls que je peux pas partager, quoi. Lolo et Altaïr. Le skin. Enfin, est-ce que vous deux vous l'avez fait vous-même le skin ou alors vous avez trouvé sur internet? Ah non, le mien a été fait moi-même. Avec le derrière, ça va être compliqué. Il était fait par toi, t'as dit? Oui, oui. Et bah, entièrement derrière, oui. Enfin, à part, à la rigueur, l'esprit du premier était le skin avant, mais le reste ouais. Après, il était pas comme ça en fait. Hein. L'arrière dommage, ouais. Était inexistant, l'avant était différent et tout. Enfin, voilà. Et toi, Lolo? Lolo est mort. Moi, de base, c'est internet. Ah. Au moins, il est honnête. Voilà. Bon, bah. Minecraft Orbis premier, Altaïr deuxième et Lolo troisième. En plus, apparemment, Altaïr a plus de vols sur le Stropol. Ouais, il est monté à 3 votes de plus. Ah oui, oula, oui. Je vais donner sa récompense à Lolo et Altaïr. Du coup, c'est quoi les récompenses en fait pour chaque. Pour Minecraft Orbis, c'est des trucs spéciaux, mais je les ai sûrement une fois au Xenblas. Et c'est quoi? Des items inédits. Ok. Attends, je vais donner Altaïr. Donc, Lolo a gagné 10 pièces et un ticket Kill the Modo. J'ai. Et Altaïr a gagné 20 pièces et un ticket Gizomodo. Ah, le deuxième et le troisième, ils ont le même truc? Non, il a gagné 20 pièces. Ouais. Je pense que c'est terminé. Plus fort, les modos. Faire un screen avec tout le monde. Je pense qu'ils sont tous barrés. On se met comment? Arrêtez de bouger! Face au juriste. Non, pas comme ça. Comme ça, ils se mettent. Ouais. Je sais pas, tu te mets quand? Je sais pas, je pensais qu'ils se retournaient et puis qu'ils prenaient le screen avec nous derrière. Ah oui, avec le jury. Ouais, parce qu'on veut être sur le screen nous aussi.